depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a inspiré une vision ambitieuse pour le développement industriel du Maroc. Une vision véritablement transformatrice qui, moyennant une stratégie tout aussi inspirée, a fait du royaume un pôle industriel régional de premier plan. La stratégie industrielle du Maroc repose sur une politique d'ouverture, des partenariats audacieux, des investissements volontaristes et la formation continue des compétences nationales, pierre angulaire de toute la stratégie et atout majeur pour ses déclinaisons présentes et futures. Pour promouvoir et renforcer ses atouts de durabilité et en même temps nourrir un créneau industriel porteur, le Maroc a investi massivement dans les énergies renouvelables, devenant un leader dans ce domaine. La centrale solaire Nour à Ouarzazate et les parcs éoliens de Tarfaya et Midelt et d'autres à venir encore témoignent de cet engagement. L'initiative Made in Morocco, qui est au cœur de la stratégie de promotion de la souveraineté industrielle que Sa Majesté le Roi appelle de ses voeux, valorise les produits locaux et contribue à la dynamisation du processus d'émergence d'une identité industrielle marocaine, un processus favorisé par le développement d'infrastructures de classe mondiale et l'attraction d'investissements étrangers. Le Maroc a mis en place des incitations fiscales, des subventions importantes et un cadre réglementaire attractif pour stimuler l'investissement industriel d'origine locale et internationale, créant ainsi un environnement propice à l'innovation industrielle et technologique et à la croissance économique. Au moment où nous célébrons avec l'ensemble du peuple marocain 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le préserve, ne voilà-t-il pas un Maroc s'érigeant en acteur clé sur la scène internationale, s'ouvrant pour les années à venir des perspectives industrielles dignes de la vision de son roi, de la profondeur historique de son savoir-faire et du génie marocain.